Allez, on se retrouve donc pour un énième épisode de Shining Force 2. Donc on a récupéré en fait un nouveau personnage, on va vous le présenter. Il se prénomme Chaz, c'est le, en fait le fils de... Ah quand même hein. Ah, un niveau de Magic Blaze, un Freeze niveau 3. Ouais, enfin, on va quand même se limiter à tout ça et trouver la chose. Donc il nous a un peu expliqué aussi en fait l'histoire avec l'épée. On espère que tout ceci s'arrangera du mieux qu'on peut. Allez, on avance. Toujours coincé, toi? Ah, pauvre chouchou. Ça rastreint, Théo! Tiens. Théo, attendez! Enfin, attends! Est-ce que je peux joindre à vous? Bien. Vous pouvez me croire, je suis un combattant né. Est-ce que vous le savez, je veux mourir. Je mourrai donc en combattant pour votre cause si vous me laissez. Il est un héros à Galab. Je pense qu'il devrait se joindre à nous. Et ben voilà! Ibon! Bienvenue parmi nous! Tu es un vrai. Et voilà un petit baron en plus! Bien joué! Merci, je sais que je peux battre le cœur des, le roi des, des démons. Ah bah génial! Allez, c'est parti. Allez, on va récupérer comme du monde, hein. Limon. Et on va le remplacer par Higgins. Parce que Higgins, il est sympa, mais lui, il est beaucoup plus agréant, beaucoup plus agréable à faire. J'ai plus de mitrille, alors je peux plus concevoir d'art. Ah, j'ai juste entendu que Gebs avait perdu. Tous nos grands combattants, eh bien, ont été battus à Paradise. C'est une bonne chance pour nous de devenir des grands démons. Je suis sûr que Zéon nous promuera si on récupère le joyau. Regarde là-bas. Aïe, j'ai mal aux pieds. Enfin, ils viennent. Excellent, bienvenue sur votre tombe. Ouais, j'avais pas anticipé qu'il y aurait une baston ici. Ouais, il l'a pas sur lui. Qui c'est qu'à l'épée? En plus c'est un gars qui est pas. La hit axe. On peut lui donner la hit axe à la limite, ça part, ça peut, ça peut compenser. Bon, c'est Rod qui lui donnera. Bon les Rod, bah Sly va mettre sur le côté. Bah, Jaro, Janet. Yeah, it's just, my name is Janet. En plus, la possibilité qu'il ne meure pas m'intéresse au plus au point. Bon, attention au dragon qui est juste à côté. Ouais, bah, il va attendre là sagement. Limon, tu vas presser de toute façon. On a récupéré des nouvelles armes, c'est plutôt bien. Faut juste assurer le coup maintenant. Attention au dragon qui est juste à la droite. Sio, tu vas se mettre là. Karna, est-ce qu'Karna, est-ce qu'elle a une... Non, elle a rien du tout. On va la mettre là. Oh putain, il y en a derrière. Je l'avais pas vu. Ouais, je me suis occupé surtout du devant, mais pas de l'arrière. Attention à... Ouais, Zing qui va prendre un peu. Petite boule de feu. Ah, quand même 28. Oh putain, la deuxième attaque. C'est vraiment là, l'attaque de merde par excellence. Allez, c'est pas grave. Sheila. Sheila, elle va soigner. Elle va soigner Zing. Je m'entends même plus penser. Si au Minotaur et... Parce que là, ça pourrait mal finir. Oula, oula, oula. Ah, il s'est réveillé, pépère. Logiquement, Phoenix. Ouais, il prend pas grand chose, c'est un Phoenix. Les Phoenix craignent pas le feu. Enfin, craignent. Alors.
donner la Hit Axe à Limon. Comme ça, il pourra l'équiper et pas besoin de l'attaquer. Voyons, voilà. Bien, 20. Petit katana, c'est tranquille, pratique. En plus, oh bah magnifique. Est-ce que je peux utiliser la... Ah oui, ça sert... Oh, attends, je vais essayer. Ouh. Plus une Holy Thunder. Oh, ça m'intéresse. Une épée qui peut tuer les gens instantanément. Je pense pas que ça marche sur les boss. Sinon, ça veut dire que ça serait assez étonnant, mais... C'est pas mal, ça. Je vais la garder dans le coin, on sait jamais. Ah, la Heavy Thunder peut-être va pouvoir m'aider. On va mettre comme ça pour éviter qu'il y ait une certaine... Ah oui, c'est vrai. Je pense que je dois mettre 5. Ah, c'était Zinc, pardon. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, j'ai perdu le White Ring, mais... Qui récupère un truc sympathique. Genet. Taya est toute seule derrière. Attention. Logiquement, ça devrait le faire, mais il y a intérêt à faire fall aux fesses parce que. Faire fall aux fesses. Oui. Faire fall aux fesses. C'est logique, c'est très français ce que j'aime. Taya. Taya pour rien faire. Zinc. Allez, c'est parti. Ah, 18. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, si on tape. Bien, 25. Ja, par précaution, je suis occupé de... Voilà, parfait. C'est un peu loin, mais c'est pas totalement gênant. Sur... Ouais, c'est Jaha qui a pris. Bon, ça va. Jaha est de nature résistant, alors à un moment donné, ça devrait passer. Ça, c'est un petit combat, ça, honnêtement. Ils avancent tout doucement. Donc, oui. À la limite, les prendre de vitesse pour essayer de les. 25, c'est bien. En plus, niveau 18. Sheila. Bien, 26. En plus, niveau 18. Ah, Blast niveau 3. Ah, j'aurais aimé le heal niveau 3, mais bon. C'est pas grave. J'ai quand même l'impression que l'ennemi est... Ça va, ça se passe. Ouais. Bon, le katana il fait pas si mal que ça. Bon, niveau 20. On va soigner Slade. Allez, niveau 17. Ouh, le blast niveau 4. Intéressant. Parfait. Putain, le truc de l'épée à Limon, c'est intéressant. Ah, va falloir y réfléchir, mais... Je me dis que... Pourquoi pas. Deux dragons
attention au Cyclops. Je pense pas que ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. 43. Ah, faut soigner le leader, hein, c'est normal. Bon, allez, Limon va prendre un petit coup. Plus Limon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas le ressuscité, puisque c'est un vampire. Il y a moins de points de vie qu'avant, hein, j'ai signalé. J'ai un peu une putarnelle sur la marchandise. C'est parti. Bien ça, 27. En plus, deuxième attaque. Magnifique. Je vais faire un truc, je vais aller voir la sorte d'aura. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un paquet de monde qui doit être un peu HS. Jaro. Je vais prendre Jaro, je vais le mettre là. Allez, 19. C'est pas mal ça. Alors attends. Slade, il est mal. Sheila, elle est pas bon. Sheila. Ouais, alors Limon, ouais. Zinc, malheureusement, il est un petit peu loin. Talia, ça va. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. On va mettre ça au milieu. Et c'est parti. Voilà, voilà. Puis deux points de partie. C'est pratique le système de. Ah, je sais pas quand est-ce que j'aurai niveau aura niveau 2, mais c'est le genre d'attaque qui me laisse l'eau à la bouche. Allez, c'est parti, on va faire ça. Bien, 25. Ah, attention. Je vais faire ça. Ouais, pas mal. Faut faire ça, c'est vrai, ça reste une technique. Et ça marche très très bien d'ailleurs. Oh putain, il dégaine hein, le petit. Bah, finalement, on a bien fait le boulot. On va juste envoyer une petite flèche sur lui. La raison est simple, vous la connaissez, c'est forcément que, étant donné qu'il a le pouvoir d'aura, il peut très très bien nous tuer. Alors par contre là, c'est peut-être pas le... Ouais, 34. Bon, c'est pas grave. Zinc. Zinc, il est un petit peu loin. Oh, Slay. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... Bon, 70. Toi, quand tu dégaines, hein, tu rigoles pas à moitié. Derrière, ça avance. Je vais faire ça. Je pense pas que je mourrai. Je pense pas que c'est vraiment très utile de faire ça. Ah, le Dark Runner vient de mourir. Le White Dragon, il a rien compris. Je crois d'ailleurs que je peux utiliser deux fois. Yeah. Sheila. Sheila, on va soigner. On va pas se prendre la tête. C'est parti. 15. Oh. Petit compte de merde par excellence là qui fait très très mal. Je sais pas pourquoi. Ça a pas été évident. Là je l'ai sous la main le pépère. Le problème, la question est de savoir
Oh, Peter. De toute façon, il aurait loupé. Donc, le petit souci que j'aurais maintenant, c'est de savoir si... Très bien, 36. Jaro. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, je fais juste un peu le ménage là. Je pense pas que Sio risque d'être en difficulté. Ouais, je crois que. Ah, Limon, pour ton premier arrivé, bah, pour ton premier baptême du feu. C'est une sacrée boule quand même. Oh, 41. Oh putain. Oh le truc de merde par excellent. En plus j'ai l'impression qu'il fait des double attaques à chaque fois. Bon, 21. Ouais, je pense que c'est bon. Génial! Ah, un David Wing. Voilà. Ça calme. Hein. Zinc. Zinc, tu t'occupes de lui. Voilà. Et on va s'occuper donc du petit ver de terre. Oh, attention. Ça va, il a résisté. C'est bien. Bah écoute, on va laisser la petite, protège. Et voilà le travail. Ah, ça calme, hein. Ça calme vraiment. On va soigner tout le monde. Ce qu'on risque de faire d'ailleurs, c'est couper la partie maintenant parce que le combat s'annonce assez difficile. Ouais, il y a peut-être eu quelques petits dysfonctionnements, mais rien de bien méchant. Bon, Limon avec son épée, elle m'intéresse. Si elle marche sur tout le monde. Imaginez, elle marche sur Hot Eyes. Pomp mort. Et voilà, on a fini le jeu. Je pense pas. Bah, de toute façon, je vais aller dans l'endroit où on doit se rendre. Et après, je crois que je vais vous lâcher. À la limite, on se tranquille. Vous verrez un petit avant-goût. Pour information, on fera pas trois, on fera trois parties distinctes, hein, parce que je crois qu'il y a trois combats. On fera trois parties distinctes et comme ça, on pourra vraiment sortir. Alors, je sais pas par contre si la partie 1, je pense que oui, puisqu'on peut utiliser toujours Egress. Donc y a pas. Donc là, il est de retour, bien sûr, à l'endroit où on était auparavant. Donc là, bien sûr. Voilà, le jeu commence à briller. La lumière semble attirer Sio. Donc là, on va aller mettre les deux petits jaillots ici. Voilà. Et voilà, ouverture des écoutilles. Donc là, on va récupérer l'épée. D'accord. Comment je fais pour la retirer cette épée? Parce que
pas comme ça. Donc il est accroché dans la roche, ça j'ai compris. Donc là on peut faire ça. Si je fais ceci, non. Si je fais search. Et... ah c'est comme ça. Pas évident, on déconne. Ah, quelque chose a ouvert autre part. Ah, la porte de la tour. Attendez, je vais en venir. Alors. Non, le EVLO, on va le laisser. Où est-ce que c'est. Où est-ce que je l'ai. Ah, c'est qui là. Ah, c'est Roth. On va la donner à. À Sio. Ouverture là. Quelque chose a ouvert, ça c'est sûr. Ce serait là? Non. En tout cas, on va s'arrêter avant le combat. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Non. Ah, il y avait une petite. Ah non, non, c'est juste la caméra qui a bougé. Il y a un truc là-bas, je vais la regarder. Il n'y a pas de combat a priori, hein, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Vous avez vu, hein, on a mis les deux joyaux. On les a plus d'ailleurs, on va les voir. Ah, les gars, toujours. Et a priori, là, ça semble être ouvert. Non? Bon. Ouais, c'est pas grave. On va, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va tranquillement, tranquillement fouiller. Il doit y avoir un truc que j'ai dû oublier. D'ailleurs, j'étais bloqué quand j'étais petit dans le même endroit. Donc, je vais essayer de fouiller un peu partout. Et si je trouve, bah, je vous appelle. Hein? D'accord? Bon, allez, ciao tout le monde. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pars pas très très loin. Allez, ciao.